Avec Oupa Oupa Tahiti. Aujourd'hui, on vous interprète la musique Transistor des Tefafano Sisters. C'est une musique que vous m'avez beaucoup demandé. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon papa. Donc, il va m'accompagner à la guitare et je vais faire toute la partie ukulélé. Donc, pour les accords, on va en voir 5 aujourd'hui. On va continuer avec un seul schéma de frappe. Je continue avec les temps, donc du couplet et du refrain. Et on va terminer par un playlong. C'est parti! Donc on va commencer avec l'accord G. Venez positionner votre index donc sur la deuxième case, deuxième corde. Ensuite votre majeur sur la deuxième case, quatrième corde. Et vous rajoutez votre annulaire sur la troisième case, troisième corde. Donc je répète les positions. Deuxième case, deuxième et quatrième corde. Et troisième case, troisième corde. On enchaîne avec l'accord C. Venez positionner votre doigt sur la troisième case, quatrième corde. La corde tout en bas. Ensuite, on a l'accord D. Donc, venez barrer avec votre index les trois premières cordes de la deuxième case. Donc, deuxième case, première, deuxième et troisième corde. Venez barrer ça avec votre index. On enchaîne avec l'accord B mineur. Donc, encore une fois, un barré, sauf que cette fois, ça va être les trois dernières cordes de la deuxième case. Donc, deuxième case. 2, 3 et 4. Vous venez barrer ça avec votre index, donc avec le plat de votre doigt. Et vous allez rajouter avec votre annulaire la quatrième case, première corde. La corde tout en haut. Donc, un barré plus la quatrième case, première corde. Et notre dernier accord, ça va être le E mineur, EM. Donc, on va monter en escalier. Vous commencez avec la deuxième case, la corde tout en bas, donc la dernière corde, la quatrième, avec votre index. Ensuite, vous montez. Case suivante, troisième case, troisième corde. Une corde au-dessus. Et encore une fois, une case en bas, une corde au-dessus. Donc, quatrième case, deuxième corde. En escalier. Je répète les positions. Deuxième case, quatrième corde. Troisième case, troisième corde. Et quatrième case, deuxième corde. Et c'est tout ce qu'on avait besoin pour les accords. Maintenant, je vous montre la frappe. Donc, pour la frappe, le schéma est un peu rythmé. Je vous montre le schéma. Ça va être bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas. Avec les accords et le rythme, ça va donner.
après vous pouvez aller un peu plus vite aussi. Maintenant, on va passer au temps des accords. Donc, je vais rappeler d'abord la frappe, donc le schéma bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, égale un temps. On commence avec l'intro en G. Donc, l'intro, c'est G pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va enchaîner directement sur le couplet, toujours en G. Alors, il faudra faire attention parce qu'il y a des demi-temps pour la chanson. Donc, les demi-temps, c'est juste que vous allez partager le schéma de frappe en deux accords. On commence en G. Donc, une. Une. Demi-temps. Demi-temps. Une. On répète le schéma. Une. Une. Demi-temps. Demi-temps. Une. Alors, pour le dernier G, vous pouvez aussi faire demi-temps G et passer en transition en G septième pour aller sur le couplet. Donc, ça va faire. Donc, la dernière phrase. Demi-temps. 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 Et on enchaîne avec donc le refrain en C. Ça va être des demi-temps dès le début. Donc, demi-temps. 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 Une. Une. Demi-temps. Demi-temps. Une. Ensuite, vous allez enchaîner sur le deuxième couplet qui finalement a le même schéma répétitif que le premier. Voilà, donc c'était les temps pour le couplet et le refrain. Maintenant, on passe au play along. Toi, c'est...
d'avoir joué avec nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ça avec mon papa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner aux réseaux sociaux de Oupa Oupa Tahiti. Et quant à nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Bon week-end, Nana.